Le Tour Nivernais Morvan, c'est avant tout et surtout une institution du sport nivernais. C'est 4 jours, 5 étapes, 18 équipes de 5 coureurs, dont une équipe professionnelle, Roubaix, qui sera estampillée grande favorite. Et surtout, il y aura 3 Nivernais au départ, Loïc Forestier, Axel Habert et Yannick Martinez. Oui, alors le TNM, là, cette année, il y en aura pour tout le monde, les grimpeurs, les sprinteurs, les punchers et même les baroudeurs. La deuxième étape entre Arleuf et Château-Chinon s'annonce très corsée, avec près de 3000 mètres de dénivelé, donc ce sera vraiment les meilleurs qui se dégageront sur cette étape. Et il y aura aussi un contre-la-montre à Fourchambault de 11 km, donc en fait, la bataille pour le maillot jaune s'annonce vraiment féroce. Le suivi du Tour Nivernais Morvan, c'est un engagement quotidien de la rédaction du journal du Centre, avec 3 pages quotidiennes dans le print, avec un live tous les jours, avec vidéos, photos. Et c'est aussi et surtout, dès ce mercredi, un supplément 8 pages pour tout savoir sur le TNM. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de casquette cochonou, mais il y aura quand même une caravane avant chaque passage du peloton. Et donc au bord de la route, vous pourrez peut-être quand même récupérer quelques cadeaux avant de voir les coureurs passer.